Le chef du gouvernement Victor Tomega Dogbe a reçu en audience plusieurs délégations au cours de cette semaine. La première, celle de l'ONG Compassion International Togo, qui est venue exprimer au Premier ministre sa volonté de collaborer dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Et la seconde délégation est celle de l'ITMF, Fédération Internationale des Fabricants de Textiles. Elle est venue exprimer son désir de faire rayonner la plateforme industrielle d'Adeti Kopé à travers le monde. Le résumé des dites audience avec Yves Agbevivi. La délégation de l'ONG Compassion International Togo, conduite par son directeur national, a présenté au chef du gouvernement Victor Tomega Dogbe les actions menées sur le terrain. Elle souhaite arrimer son cahier de charge à la vision gouvernementale. Nous prenons en charge plus de 73 000 enfants et jeunes au Togo, dans les différentes régions sur l'étendue du territoire. Et nous accompagnons indirectement plus de 350 000 familles. Et donc, considérant la feuille de route du gouvernement, nous sommes venus pour échanger dans quelle mesure nous pouvons aligner ensemble et travailler ensemble sur les projets et les ambitions du gouvernement pour 2025. Elle a eu à nous présenter les priorités qui sont sur l'aspect social, l'inclusion, les priorités qui sont données aux jeunes pour l'adéquation, la formation et le marché de l'emploi, l'insertion de ces derniers, l'accompagnement également qui permet aujourd'hui d'identifier les différents ménages et de permettre à ce que tout Togolais puisse avoir aux soins de santé, un domaine sur lequel également Compassion travaille.